Alors la ferme en chiffres, c'est 120 hectares, 90-95 vaches laitières et puis à peu près autant de génisses, c'est-à-dire à peu près 180 bêtes, 190 animaux au total sur la ferme. Et puis en termes de culture aussi, voilà, les 120 hectares, il y a 100 hectares d'herbe et 20 hectares de céréales. On a un niveau d'autonomie sur la ferme qui est très surprenant. On n'achète quasiment rien. Les années où ça se passe bien, on achète un peu de minéral pour complémenter, c'est-à-dire un peu de calcium pour les vaches, mais sinon, tout est produit sur la ferme. Pour la partie transformation, c'est vrai qu'il a fallu beaucoup de réflexion. C'est toujours issu des années 95 où on nous a promis la mondialisation pour l'agriculture finalement. Et en fait, c'est un peu pour tourner le dos à la mondialisation au sens classique, c'est-à-dire par la baisse du prix. La mondialisation, quand on fait tous pareil, c'est le prix le plus bas qui fait la règle. Et donc c'est un peu pour tourner le dos à ça qu'on s'est orienté vers une démarche qualitative qui rend pour moi la mondialisation plus utile. C'est-à-dire on échange des produits qui sont différents. Et on l'échange à l'échelle de, pas forcément de la planète, mais on va dire des pays, là en Europe notamment, sur la production laitière, on a des échanges européens aujourd'hui. Hier j'ai parti des fromages vers la Suisse, voilà, on est pourtant tout petit producteur et pour autant, voilà, on est déjà hors des frontières. La fromagerie a été faite pour faire du camembert, c'est surprenant. Alors c'est du camembert de Normandie, d'appellation d'origine protégée, et nous avons voulu marquer notre différence en essayant de retrouver la recette initiale. C'est le caractère fermier, parce que le fromage est petit. Il fallait aussi retrouver l'agriculture biologique, c'est-à-dire probablement avant que le bio existe, c'était bio partout. Et donc il fallait que ce soit bio. Et puis l'appellation d'origine protégée qui tourne autour des quatre arguments que sont la vache normande, le pâturage, le lait cru et le moulage à la louche. Bien sûr, ces quatre arguments étaient pour nous évidents. Mais ce qui fait notre différence, c'est que nous sommes les seuls à pratiquer ces trois signes officiels de qualité. C'est un fromage assez difficile. C'est un peu comme les gâteaux, il y a les recettes faciles et puis les recettes difficiles. On est sur une recette difficile de fromage. C'est pour ça aussi qu'on est autant demandé. Quand on amène un camembert fermier dans une biocoop, ils en ont pas vu, quoi. Donc en fait, c'est pas dur de prendre le marché. Quand on amène sur Rungis un camembert fermier, il y en a très très peu. Donc en fait, on a fait 100 fromages semaine pendant 3 ou 4 semaines, puis après 200, 300. Aujourd'hui, on est à 1200, 1500 fromages par semaine. Normalement, on espère atteindre les 4000 fromages par semaine, ce qui serait une grande partie de la production du lait. Ça, c'est vraiment l'objectif. Voilà. On a été ferme pédagogique à partir de 2000. Donc, en même temps qu'on faisait le foin, on a décidé d'ouvrir notre ferme puisqu'on était à l'aise avec ce qu'on faisait. On était sur les 2000 personnes, 3000 personnes par an en activité pédagogique et accueil de toute nature. Et là, je pense qu'on a déjà atteint ce chiffre. Donc, on a des systèmes modernes aujourd'hui pour faire du foin en vrac. Pourquoi on le fait en vrac? Parce que dans les roundballeurs qu'on a inventés, les grosses boules que vous voyez dans les champs, il ne sera jamais complètement sec. Globalement, l'amour du métier, je crois que je l'avais quand même. Je l'avais au départ et qu'après il faut la nourrir. Si on ne fait pas ce qu'il faut pour être bien dans ses bottes, entre guillemets, dans ses bottes de paysan, on peut perdre l'amour du métier aussi. Nous sommes très fiers d'avoir remis cette recette de camembert de Normandie à une notion de vérité qui n'existait plus. Et le final, c'est de retrouver le goût initial du produit. On nous l'a dit souvent et quand on nous dit ça, ça nous fait grand plaisir.